d'emploi Place des Talents, qui est en ligne depuis le 1er juin 2015. J'ai été consultante RH pendant 10 ans. L'idée de la création du concept de Place des Talents est venue de ma propre expérience. Comment trouver en ligne le bon CV parmi des millions de profils en ligne et parmi des centaines de CV qu'on peut recevoir? Aujourd'hui, il faut qu'on prenne en compte, et on en est de plus en plus conscient dans nos organisations, c'est le savoir-être du candidat. On ne peut pas rester que sur le savoir-faire. La technicité, le diplôme, l'expérience, on est sur du prérequis. On doit aller plus loin sur le savoir-être, sa personnalité, ses compétences naturelles, son adaptabilité. Place des Talents, qu'est-ce que c'est? C'est un job board qui va permettre de valoriser l'individu, et c'est un job board surtout sans CV. Comment ça marche? Le candidat passe systématiquement un test de personnalité à l'inscription. Pour mettre en place le projet, nous avons travaillé avec l'Institut en recherche psychologique de Montréal pour y aller à la fin de leur test. L'entreprise qui dépose une annonce sur Place des Talents va recevoir une fiche talent du candidat qui va lui donner une vision globale de l'individu. Le retour d'expérience qu'on a de nos clients sur la recherche de candidats avec Place des Talents, c'est un gain de temps et une meilleure pertinence des sélections avec la prise en compte d'une dimension humaine dans un recrutement. Aujourd'hui, nous avons des clés de succès. Nous sommes rentrés dans l'Emplaceur depuis le 1er octobre 2015. Nous sommes experts du monde du recrutement. Nous avons un outil fiable, Crédit Agricole, CEP, Free par exemple, qui est déjà confiance. Nos objectifs sont de devenir job board de référence en France et vraiment d'éduquer, j'ai envie de dire, les DRH au savoir-faire et à plus en compte au savoir-faire dans le monde. Candidature spontanée et ainsi faire connaître Place des Talents.